ministre Ilunga Ilukamba consulte déjà les futurs animateurs de son gouvernement depuis l'accord signé entre FCC Cash. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, reçu ce samedi par le professeur Ilunga Ilukamba, a échangé avec lui sur toutes les affaires d'État en cette période transitoire. L'autorité morale de l'UNC, qui connaît personnellement le Premier ministre, reconnaît ses capacités fédératrices et son expertise qui seront au service de la nation. Je connais le professeur Ilunga Ilukamba. Il était notre professeur à l'université de Kinshasa. Je l'avais connu aussi quand il était ministre. J'étais directeur de cabinet, j'étais conseiller dans beaucoup de ministères. C'est un homme d'expérience. C'est un homme, effectivement, qui va, avec le président Félix Tshisekedi et nous tous, pour autant que nous fassions la différence entre les partis politiques et le gouvernement, partis politiques liés des conquêtes et de pouvoir. Mais une fois au pouvoir, on est dans un gouvernement, c'est un lieu de conjonction, d'efforts, des ressources de chacun de nous pour atteindre les objectifs que le Premier ministre, après concertation avec le président de la République et le chef de l'exécutif, auront convenu à présenter au peuple congolais. Un autre échange, c'est avec le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. L'homme politique dit venir rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Mais nous sommes des frères et puis nous sommes des responsables. On peut échanger sur l'avenir du pays. On peut avoir des idées qu'on peut aussi proposer au Premier ministre pour redresser, par exemple, l'économie de notre pays. Ce sont là deux économistes qui se rencontrent et je crois qu'on ne peut pas manquer à se dire. À la question de savoir s'il vient en négociation pour faire partie du gouvernement, écoutez sa réponse. À ce stade, non. Je suis venu vraiment pour autre chose, pas pour la consultation. Peut-être ça viendra après. Il ne pouvait en être autrement. Le ministre du gouvernement Ilunga viendront de deux partenaires ayant signé l'accord de coalition, deux partenaires ayant produit le Premier ministre de consensus. Cela voudrait dire que la bonne porte pour entrer au gouvernement, c'est celle du tandem FCC Cash. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com. Bana Congo, Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, l'air est plus que grave. Bokota, parce que t'es l'unité solo là. Alors Bokota, bah abonné na biso Bokota. Merci na grande équipe à toi le Belavie. Merci na base. 4 fois prêtre à Washington, les camps paysans et Mawatro. Sans oublier notre réalisateur Steve Malungweni. Voilà, tout le bel avis, tout ça, Kinshasa. Tout le qui a ou à peau, tout de la cabine, ou information en temps réel. Babonne, la biso, ba yebi, moussala, ou bisou, tout ça, laka. Tout le qui a ou à pour un but, but, un biseuse, laki. Tout le monde, comment les choses se passent sur place ici, dans le Congo. Alors, tout le monde, ma camarade, les autres, qui n'est pas de ça, qui bino. En tout cas, ma camarade, qui est bien. Y a un tout le baki, bino, ba tout, la diaspora. Parce que bino bolanda kaba information mingi mingi bosala ka effort bolangusa bandeko o baza awa sur place hein, na ba WhatsApp botinda ka ba vidéo soko moni vidéo apport non peut-être zali botinda po awa na Kinshasa batu be balanda ka information ti soko bimo ko mona batu libanda mais mon minorité a batu ne balanda ka et bele a batu balanda bon information ti alors po mboka na biso esi kolama eza ko senga bandeko ya biso il faut nécessairement surtout na Kinshasa wa balanda ka parce que awa ne source ma soleza sortir gouvernement balobi eza imminent donc à très bientôt gouvernement ekobima mais ba problème eza ya kosakana te histoire mo balobaka mbo asenga ki moto bakati sa ebale tango komi na ngambo moto pe andimi ayebisi mbo alobi bon d'accord na komema yo na ngambo ba komi na ngambo mbwa alakisi kaza mbwa abandi koganga obi non nga na tinda kiyote donc eza makambo ezolika actuellement na mboka na biso pourquoi na lobi lisolo wana bato bayebi te na komeka kofungola bino yango tokozonga mwa nsima moke lelo parce que tokoki kosote te il faut quand même tozongaka sio bato bayebaka mwa histoire makambo ebandaka na Genève. Na Genève, ba leader politique nyoso ya opposition ba kutanaki pour na trouver solution, c'est-à-dire pour na kubimisa candidat commun. To ba kutanaki kuna selon bango balobi bazaki na makanisi mususu, ba yebaki ke mutu mususu ndefo abima. To ba komi kuna surprise kapangala Martin Fayulu abini.
Alors, et ça, qui, Batumisusu, bien que, tout le monde a qui même déclaration de Félix Tshisekedi, Yemoka Salaki, à l'objet, les changements aujourd'hui s'appellent Martin Fayulu. Mais, déclaration Vital Kamerhe, en tout cas, à Tika Kolobate, mais où il y a Félix Tshisekedi, au hasard président de la République, Lélo, Yemoko à l'objet, Yamo, et ça, les Kamboteo, tous les bêtes à Félix Tshisekedi, Yemoka Salaki, ce que non, les changements aujourd'hui s'appellent Martin Fayulu. Batouna qui est pour la base, habité, na osolana bango, na yebi comment, na ko expliquer bango. Parce que si on a un changement, il faut pas accepter Martin Fayulu. Ndé toki ko yoka lisusu, Félix Tshisekedi, ba bendani na Vital Kamerhe, après ba sali ba déclaration comme quoi, ba boyi Martin Fayulu azala, na tête ya sali azala candidat commun, bango ba l'habité, biso, tout signe qui n'a qui dit bah et comment qui m'a cambo qui n'a qui au bah qui si au nini fait ce qu'il m'a bien d'un qui y est n'a de connaître Vital Kamerhe donc IDPS n'a UNC bah bien d'un qui bah qui a formé et le comment qu'on va bien dire mot cash cap pour les changements bah bien d'un qui bah qui ça n'a rien tant bah ça n'y a mot bah qui n'a qui n'a Nairobi et ça qui a corps au bango mi balé bakende ko signer na Nairobi comme quoi yo ko comme président ngai na ko comme premier ministre te yo quand même banque et rosala pas Vital Kamerhe oh no so te yo ka toyoka mais le lo yo makambu masobe le makambu changé makambu c'est sous ndenge za ki wana ti alors to ko zonga pour la cache to zonga si me pour pas comprendre cache ngwe bandenge ndenge nini donc bandaga wana Vital Kamerhe na fixe ce qui tant ba benda na ki bah retirer ma signature na bango alors bah quelque ça là cash côté un peu perdu bango déjà avant même élection bah bendana qui bah kenda qui bah salit déjà FCC si quoi yo est commis FCC na cash opposition ticali normal bah tu mises sous parce que opposition sont allés bien et panzana qui Félix Tshisekedi a zara qui l'a battu belé au bazar na simanaye il de pèse Vital Kamerhe a zara battu belé au bazar simanaye pour la FCC bango moutoune soyez bi bazar na respect na autorité morale na bango Joseph Kabila bango pour la koutou discipline et zara kosa kanate parce que yende moutou a komaka bakombo ya battu yende moutou a nomaka bango kuna yende moutou a décidaka et puis bon moi na kabino mouko nde ba kendaka na fil indien kuna na kinga kati ndeba kotaka na ba respect nyoso po kuna soko sele erreur de kuna discipline ne mte renyaka kuna par contre na cash fa epe tout mouna discipline wana alors gouvernement zobima au mouna ke FCC baza au moins na 42 postes au bango bazui apparemment pour tout le vérité donc Vital Kamerhe na fait tout ce que dit ba longwa ki na opposition Bakiko Sangana na FCC PPRD Basangana ki donc FCC PPRD Basangana ki na Vital Kamerhe na fait ce qui dit bateau ba otek na opposition bango basangani pour bana Kinshasa bana Congo bande kozela PPRD FCC ou ba bima ba kindi mais bango ba ye basangani na bango to basangani na bango ba yokani donc ko sangana o sangana mutu te sans pour autant peut-être boza makamu bo sololi to ba sololi nga kuna lobaka na bime bato pona nini bogo koko ko retire pe signature na bino wana te mais bango basala yango pona ba sepeli sa peuple te basala yango po ba sepela entre bango pendant que le peuple congolais baza ko souffrir bango bazo so ba décision o ya bango problème sérieux ezali na cash bango bazo so 23 postes ministériels na 23 wana t'as la de pèse baza combien donc bah corps oyo Félix Tshisekedi bah signé qui bango mi balé na Vital Kamerhe et si quoi ya kala bah corps on est assouti alors na 23 postes wana Vital Kamerhe na UNC baza combien soko tali bien moi que bata UNC na minute oyo baza découragé baza li déçu complètement totalement bango bah kanisa ki boyete pour la bango baye baye que makambo e koleke la le lenge wana te baye baye que Vital Kamerhe ne mouta kozwa pour sa premier ministre et puis yende mouta ko nommer ba ministre parce que banque ezaki pa na ye nenge ba sala ki ba accord na bango oyo
Saki. Mais, le problème est que c'est posé dans 23 postes. Tout le monde a dit qu'il y a un Moulumba. Qui est un salade, il y a un ministre de l'information, c'est rien, Mobutu. Kala. A travaillé dans Kabila. Na suka ka awa bwa kse Kabila a ye na na cash a komi kou kounse Tshisekedi na 23 poste wana donc ba trokwa ba king kepe ba zozi la ba lubaya bango ba zozi la ba zon mo 3 hein ba kombo msusu ezo kima kim alors ba tonne sou ba zozi la kaka na 23 poste wana me kote a 42 poste a FCC kouna pou ame zati kouna mo tolo bila mo te ponde la FCC nou deja discipline les ali en tout cas kote kouna Bosana ngou tu kino ngou ya na désordre. Pour si on a désordre, ngou zonga solo, le banon se zanga di na mbunju, ton a di kosi, yo mou ngou zonga normal. Vital Kamerhe a zon mouna yango clair, te parce que mi koloto le ka déjà ba outa yko accuse Vital Kamerhe comme quoi, a zon bimisa ba mbongo, boye boye, de to yoka ki, de to zo yoka. Mais, Vital Kamerhe ndenge ba yoka na ki, na fin Tshisekedi, et salama bongo te. Le lo verite zanini, UNC bazan a besoin, Félix Tshisekedi a dit qu'il a été président. Mais côté à ma poste ministériel 23 ans, il y a une fois, vraiment, nous souvenons bien. Pour nous, on a aussi battu. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a dit qu'il a été ébélé, il a été ébélé. Il a été ébélé. Il a été ébélé à poste. Il a été ministre. Mais pour qu'il y ait 23 ans, UNC, il a UNC. Bah c'est belé, mais ils ont 23 postes. Bah pour ça, dans le même alors, vérité, c'est que Vital Kamerhe a commis très mécontent dans ma campagne. Il y a un solo là qui est qui n'est pas monté. Vital Kamerhe, il y a se déplacer quand il y a un coup dans le premier ministre. Il y a un coup papa, il y a un tiaï, il y a un coup de la vie, il y a un coup de la vie, il y a un coup de la vie, il y a Le Premier ministre Ilunga Ilukamba consulte déjà les futurs animateurs de son gouvernement depuis l'accord signé entre FCC Cash. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, reçu ce samedi par le professeur Ilunga Ilukamba, a échangé avec lui sur toutes les affaires d'État en cette période transitoire. L'autorité morale de l'UNC, qui connaît personnellement le Premier ministre, reconnaît ses capacités fédératrices et son expertise qui seront au service de la nation. Je connais le professeur Ilunga Ilukamba. Il était notre professeur à l'université de Kinshasa. Je l'avais connu aussi quand il était ministre. J'étais directeur de cabinet, j'étais conseiller dans beaucoup de ministères. C'est un homme d'expérience. C'est un homme, effectivement, qui va, avec le président Félix Tshisekedi et nous tous, pour autant que nous fassions la différence entre les partis politiques et le gouvernement, partis politiques liés des conquêtes et de pouvoir. Mais une fois au pouvoir, on est dans un gouvernement, c'est un lieu de conjonction, d'efforts, des ressources de chacun de nous pour atteindre les objectifs que le Premier ministre, après concertation avec le Président de la République et le chef de l'exécutif, auront convenu à présenter au peuple congolais. Un autre échange, c'est avec le sénateur Modeste Baatilukwebo. L'homme politique dit venir rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Mais nous sommes des frères et puis nous sommes des responsables. On peut échanger sur l'avenir du pays. On peut avoir des idées qu'on peut aussi proposer au Premier ministre. Pour redresser par exemple l'économie de notre pays, ce sont là deux économistes qui se rencontrent et je crois qu'on ne peut pas manquer à se dire. À la question de savoir s'il vient en négociation pour faire partie du gouvernement, écoutez sa réponse. À ce stade, non. Je suis venu vraiment pour autre chose, pas pour la consultation. Peut-être ça viendra après. Il ne pouvait en être autrement. Le ministre du gouvernement Ilunga viendra de deux partenaires ayant signé l'accord de coalition, deux partenaires ayant produit le Premier ministre de consensus. Cela voudrait dire que la bonne porte pour entrer au gouvernement, c'est celle du tandem FCC Cash. Directeur cabinet, président de l'UNC. Pourquoi Kekokutana est le directeur de cabinet et le président de l'UNC? Donc, problème et zani sérieux na kati ya cash. Problème est awa yangoana. Alors, c'est tout ça parce que le lobby sortait gouvernement, ça m'a calaté. Mais ce que tu as dit au monde, côté de Joseph Kabila, FCC, au lieu de la maquillage était.
Okama qui était pour Kuna, autorité morale à Zali. Mais quand tu y a moins de moni, bah déjà en boucle à deux personnes. Bah ça la solo, n'a deux personnes bas à un leader ici comme on. Ça crée toujours des problèmes. Problème aux deux hommes, on a eu Zali parce que Vital Kamerhe, nous débattons quand on a fait ici. Qui a dit de Yemi, qui est en 2023, ma baya au Tiama, parce que Vital Kamerhe apparemment, a qui n'est commis ce colon. Donc quand on a dit qu'on a mis ce colon, c'est qu'on a dit qu'on a dit pour Indepes, il n'a jamais possédé. T'as là niveau Makambu et sa coquine. Alors, Lelo, Némi Moulania, Bakoukoutana, na Premier ministre Ilungé Lukamba, Némi Moulania, na Jean-Marc Kabound, Bazouki Okoutana, pour le remettre toujours au solo. Dans la dernière intervention, Mokoya Kinke Moulumba, Alobi Kabila za inévitable dans la politique à Congo. Mais, Mikolote Koleka. Bon, c'est Kabila, mais Lelo, dans le Congo, partout, surtout dans la diaspora, battu Oyo, bon, ça va fanatique, bon, c'est un fanatisme. Sur le terrain, on m'a quand même demandé à Moussou. Ah, on a dit que le monde a été bossé, on a été 100%, aucun mot n'a pas été. Ah, on a dit que le monde a été bien dans le téléphone, on a dit que le numéro n'a pas enregistré, on a dit que le lobby a été bien, on a dit que c'est fini. C'est comme ça. Donc, il y a un besoin de profit. Il y a un besoin de profit. Combat, tout ça, c'est un combat pour la libération totale à Congo. Comment se libérer totalement? Tu as un problème très sérieux. Mais, au moins, dans le Congo, il y a un besoin de profit. C'est-à-dire, il y a un besoin de profit. Il y a un besoin de profit. Il y a un besoin de profit. En intérêt ma grand monsieur son yozo canison dirait que au loba kuna a ouvert aux apostes Vital Kamerhe hier bado les lettres Vital Kamerhe son les lettres Vital Kamerhe son les lettres ce que yo vendi nous étions au pays sous couteau et son les lettres et bon nous étions au Kauka aux en France aux en Canada aux Awa puis partout le mukimo bimba au kota ma cambo na nengé pena qui non ce qui nous casse aux apostes y a tout à l'heure baza bado les lettres baza awa bazo les lettres. Mamona akutu même mutango boete beaucoup na wapi pour béton na béton cal na cal tout bunda pour tout libérer mboka tout bunda pour na sentimenté ce que monique mutu c'est dire boye ba ke batu ba di bosso esprit na bango change ba Vital Kamerhe wana ba Félix Tshisekedi ba Joseph Kabila tout le monde bazali bosso wana esprit na bango change. Koyé la été kono ngana bunda ki tala ko de vidéo yango na manière ko le la sur non. Dans le bac à chaque fois, sur mon loca malam, bêtement ma boko. Sur mon loca malam, bima loba. Mais sur loca ma bezali, surtout na makamba ba gouvernement, il faut qu'on critique et ango 100%. Et ça normal. Mais bah la Congo au moins qui surtout na diaspora, bah tu vois qui dit bah trop. Diaspora bah zola l'information très bien. Mais et bien la diaspora bah comprend d'été. Ah c'est la réalité mususu. Na Kinshasa c'est la réalité mususu. Yaka na ba vidéo nous ça la racuna. Au bête à la le musique pour ce que vous avez vidéo ou les noms en boucle pour avoir zéro. Voilà, bana Congo, tout ça c'est tout le gouvernement au bima tout le monde a soki et que les candidats mini n'a cash parce que n'a minute au pénacé n'a cette guerre et sa guerre froide des années puis guerre en bagnac au bima et sa guerre froide mais et bandit des gens qu'on l'a qui s'accueille. Non, moi je suis mécontent. Par rapport à ça, on a peine à l'unité boy, on a peine parce que Félix Tshisekedi a eu de peste, mais tu as eu de peste, peine à l'unité, tu vas au télémilaï. Bah, tu tiens mon longue. Kotoyo, Vital Kamerhe, il y a déjà mon longue dans l'UNC. Pour même battre l'UNC France, la minute où tu vas bunda, les gens qui se retrouvent, l'UNC France est belle, bah ça pour les rabois, mais non, tu y a eu un Vital Kamerhe, il y a eu un Félix Tshisekedi, bah il y a eu un. Alors on est toujours baqué moi azo soit moi donc restez connectés tous à la souki les solo bini tout de suite au Léka parce que nous avons vraie information information est solo et ça que problème et ça il y a grave na kati ya cash donc il de pesta UNC na minute yo problème et ça ko sakanati tout cause cette intervention na biso na bini auto te proposer bino donc d'ici là portez-vous bien et restez connectés na tolo bela vie bana Congo. En tout cas, nous avons à chaque fois mis sur un tout
tous ont pu adhérer à un parti politique mogoté, tous ont appris à tous sunga, bande qu'on a biso, pour pas qu'ils n'aient ni bosso, ceux qui va salir ma bé, en tout cas tous ont gagné pour tout kwanza bango, pour tout l'amusa bangoté. Peuple congolais va souffrir, ben la Congo va souffrir. Pendant que ma Congo va souffrir, ben tout le monde va la bon bien, ben zolia, ben zoé la va poster, ben ni mais, et bon mon petit peuple va souffrir. Alors yo vani na okono beta rajale lo reso ya ya ka okomona ka biso te bomo te bomo nyostu me ya ka wa yan ba video na oyo ku misaka ku ku misa mutu te ku misa Kongo yo zo ni ku misa mutu ko mutu na zo lupe ba ko simu zo lupe ba lelo yo a raisonner yo ko bozo ki sonde lo bana ngo ki kester emenia to lo be la vie. Mais c'est le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte. Distingués invités, je m'en vais vous lire les communiqués conjoints à l'occasion de la visite du ministre congolais de la Santé. À l'invitation de son homologue rwandaise, Dr Diane Gashumba, le ministre congolais de la Santé ad intérim, M. Pierre Kangoudia, ainsi que sa délégation, a effectué une visite officielle à Rubavu, en République du Rwanda, ce 6 août 2019. Cette visite intervient dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de santé publique. Plus spécifiquement, cette visite vise à obtenir un engagement politique de haut niveau guidant les renforcements de la coopération transfrontalière en matière de surveillance des maladies pour la préparation et la réponse entre la RDC et le Rwanda. Les deux ministres ont ainsi discuté de l'opportunité de la mise en place d'un cadre de concertation transfrontalier établissant des mécanismes communs de prévention et de gestion de cas de maladies à virus Ebola, incluant la surveillance, les partages d'informations, la vaccination ainsi que la prise en charge des cas. Constatant avec satisfaction la convergence de leur vision, les deux parties ont validé leurs orientations visant à mettre en place une feuille de route des activités transfrontalières conjointes. À l'issue de la réunion bilatérale, il a ainsi été décidé de mettre en œuvre des mécanismes préventifs d'endiguement de la maladie à virus Ebola et de sécurisation des flux transfrontaliers en vue de réduire les risques de propagation de la maladie. Cela sera fait en commun accord et en consultation avec les secteurs privés et la société civile pour ne pas affecter les échanges socio-économiques transfrontaliers entre les deux pays. Il a aussi été décidé que dans le cadre du renforcement de la coordination en matière de prévention et gestion des cas de la maladie à virus Ebola, une équipe de professionnels multisectoriels rwandais effectuera une mission d'échange d'expérience auprès de leurs homologues congolais. Les deux parties ont réitéré l'appel du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a déclaré que la maladie à virus Ebola constitue une urgence de santé publique de portée internationale et a indiqué qu'il était temps que le monde entier prenne pleinement conscience de la situation et redouble d'efforts pour œuvrer en solidarité avec la RDC en vue de mettre fin à cette épidémie et bâtir un meilleur système de santé. La feuille de route conjointe a été adoptée et une équipe technique est mise en place pour sa mise en œuvre rapide après sa présentation au bureau régional de l'OMS le 15 août 2019. Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a remercié son homologue rwandais pour un accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à toute sa délégation et a exprimé son souhait de mettre en œuvre conjointement la feuille de route convenue. La ministre de la Santé de la République du Rwanda a réitéré son appui ferme à la feuille de route et à l'engagement du Rwanda à travailler étroitement avec la RDC afin d'endiguer cette épidémie d'Ebola. Fait à Rubavu en ce 6 août 2019, signé M. Pierre Kangoudia, ministre de la Santé ad intérim pour la République démocratique du Congo, et Dr Diane Gashumba, ministre de la Santé de la République du Rwanda. Je dis et je vous remercie. Que
que le Rwanda va accompagner la, le Congo, la République démocratique du Congo. Le Rwanda va continuer à marcher la main dans la main, côte à côte, avec nos sœurs, nos frères, pour collaborer, pour renforcer notre collaboration, pour mettre en place ce qu'on a fait ici, mettre en place des mesures renforcées, des mesures communes pour endiguer l'épidémie. La question était à vous aussi, la même question, ces mesures. Merci beaucoup pour la parole. Non seulement nous serons avec le Rwanda, mais nous l'avons bien indiqué, les maladies ne connaissent pas de frontières, ne se présentent pas au service d'immigration pour demander des visas. Donc quand la maladie veut traverser, elle va traverser très rapidement. Malgré tous les mécanismes mis en place de surveillance, vous avez vu qu'il y a des cas, même si c'est vraiment assez réduit, mais il y a des cas qui arrivent à échapper. Et donc voilà, nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir travailler sur l'enrayement de cette épidémie. Et cela, je remercie encore une fois la République du Rwanda d'avoir pris cette initiative, de nous inviter pour que nous puissions mettre en place un mécanisme de lutte, un mécanisme commun de lutte contre la maladie, des surveillances communes, des contrôles communs, pour que tout se fasse de manière concertée, pour qu'en ce moment-là, en conjuguant les efforts, en mutualisant les moyens, que nous arrivions le plus rapidement à mettre fin à cette épidémie qui a déjà fait tant de morts. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous les autres pays limitrophes. Et nous avons dit ceci, le Rwanda et la RDC vont faire le plaidoyer non seulement pour les deux pays, dans les échanges que nous avons eus de manière bilatérale, que nous allions le faire pour l'intérêt et pour le bénéfice de toutes nos populations. J'ai cité la République du Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, tout au moins, tous les pays de la façade orientale de la République démocratique du Congo. Tous les pays qui peuvent être exposés au risque d'externalisation de la maladie en partant de la République démocratique du Congo. Cela va être fait. Voilà pourquoi nous saluons l'initiative prise par le Rwanda de s'associer à nous pour que nous marchions la main dans la main, comme vient de le dire ma collègue, afin que nous travaillions ensemble pour le bien de toute la population. The way the system and the government of DRC responded to that case is commendable. We commend the response that was put in place, the system, but most importantly, the communication to our team. We have a very good communication, and as you know, in regard to outbreak, communication is critical. Timely and accurate communication. We don't have rumors between countries. We have accurate information and timely provided. That is very commendable from our side. Another positive thing, how do we deal with this outbreak, is the notification. The way their system is built is similar to our system, and from the community, from the awareness, from the notification and the response, the system is similar and is meeting the standard put in place by WHO. And our team from the grassroots level, they communicate very well, and even our representative from WHO, all the teams from WHO, they have a good communication up to the central level. I can tell you, I speak to the minister every single day. We chat on WhatsApp, on SMS, we call each other, so the communication is very good, and I think that is something that is very important. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com